Il s'agit de la correction d'un exercice de statistique. Nous allons voir comment déterminer la médiane et les quartiles d'une série à faible effectif. Une question classique d'application directe du cours, où on me demande de déterminer la valeur de la médiane et des quartiles de la série statistique suivante dont on a donné les valeurs. Donc, il y a des vidéos qui rappellent le cours sur comment déterminer la médiane et les quartiles. Il ne s'agit pas ici de rappeler directement le cours, mais de voir la méthode. La série ici est donné brutalement, on a les valeurs 9, 15, 8, on voit que par exemple 8 est donné plusieurs fois. Il ne s'agit donc pas d'un tableau avec des valeurs et des effectifs. On peut compter facilement le nombre de valeurs de la série, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valeurs. C'est un élément important qui va nous servir dans les calculs pour déterminer la médiane et les quartiles. Il s'agit ensuite d'ordonner la série par ordre croissant. Voilà donc qui est fait. On l'a ordonné par ordre croissant de la plus petite à la plus grande valeur. Comme il y a 11 valeurs, on sait que la médiane va être la valeur qui va séparer la série en deux parties de même effectif. Et ça va être 11, puisqu'il y aura ici 5 valeurs, et ici 5 valeurs. Et comme il y a donc 11 valeurs, la médiane est la sixième valeur de la série, et on trouve que la médiane vaut 11. Attention, ne pas dire que la médiane vaut 6. La médiane est la sixième valeur, et donc la médiane vaut 11. Ne pas confondre le rang de la médiane, la sixième valeur, avec sa valeur qui vaut 11. De même pour les quartiles, on calcule l'effectif total 11 divisé par 4, ce qui fait 2,25. Q1 est alors la troisième valeur de la série classée, troisième, puisque comme 2,25 est un décimal, on va arrondir à l'entier supérieur à 3. Donc Q1 est la troisième valeur de la série classée, on trouve 1, 2, 3, Q1 vaut 8. Pour déterminer Q3, on va calculer 3 fois la valeur précédente, 3 fois 2,25, ce qui fait 7,75. Comme 7,75 est un décimal, on arrondit à l'entier supérieur toujours, et donc Q3 sera la huitième valeur de la série classée. Et si on compte la huitième valeur de la série classée, on tombe sur 15, Q3 est égal à 15. Cet exercice est terminé.